Et cette semaine, nous nous intéressons à Aubagne, avec au programme aujourd'hui la politique des transports de la ville. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité Bertrand Robin, puisque nous parlerons du tramway avec vous. Mais avant cela, je vous propose de regarder ce reportage signé Arli Ali Martiniki. Voilà 2 ans, jour pour jour, que les bus sont gratuits au pays d'Aubagne et de l'Étoile. Gratuit, c'est bien. Et j'espère que ça dure. Ça dure pas longtemps, mais j'espère que ça dure. Des fois, on a les euros, des fois, il n'y a pas. Hein. Il faut les gratter pour les avoir. La crise. Lancée en mai 2009, la gratuité connaît très vite un succès. Un an plus tard, on estime à plus 100% l'augmentation de la fréquentation des lignes de bus sur l'ensemble du territoire. Oui, pour aller à l'école, je prends le 6 qui me dépose à la Millière. Après, je prends le 50 jusqu'à Marseille. Pour aller au boulot, me rendre dans différentes zones commerciales ou chez moi, tout simplement. Oui, ça a changé que mon portefeuille est un peu plus plein puisque c'est gratuit. À l'époque, j'achetais quand même des cartes, donc je les utilisais. Réduire la place de l'automobile, augmenter celle des transports en commun, l'agglo entend par sa politique des transports favoriser le développement durable. Peut-être, mais c'est le côté pratique. C'est vrai que du fait de la gratuité, on a plus tendance à les utiliser que prendre la voiture. Ben je le reconnais. Voilà. Après le projet de réhabilitation de la voie ferrée de Valdonne, qui s'étend sur 14 km et qui reliera sur l'axe nord-sud la Bouilladis à Aubagne grâce à un tram-train, voilà que naît le projet tramway. De la Pente-sur-Yvonne à la zone industrielle des Palus, en passant par la cité du Charel ou encore la gare d'Aubagne, 2 lignes sur l'axe est-ouest pour optimiser le maillage du territoire. Bus gratuit, tramway gratuit pour tous, le pays d'Aubagne et de l'Étoile se classe premier dans l'innovation en matière des transports en commun en France et dans le monde. Alors Bertrand Robin, le tramway à Aubagne, est-ce que c'est toujours au stade de projet ou est-ce que ça y est, ça a été acté, c'est parti, le tramway va justement circuler prochainement dans les rues d'Aubagne? Il circulera effectivement bientôt parce que le projet est au stade des études actuellement. On est en train de préparer l'enquête publique qui devrait se dérouler courant de cet automne. Mm-hmm. Et on espère un arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique au mois d'avril 2012. Et on engagerait les travaux de la première phase dans la continuité de cet arrêté préfectoral. Alors l'objectif justement, c'est quoi? C'est désengorger le centre-ville d'Aubagne ou il y en a d'autres peut-être? C'est un des objectifs effectivement de désengorger le centre-ville puisque tout le monde peut constater les nombreux embouteillages sur les autoroutes qui ceinturent la ville d'Aubagne tous les jours aux heures de pointe. Oui. Donc c'est un des objectifs de ce tramway. Bien évidemment aussi c'est de lutter contre ce réchauffement climatique que l'on constate de plus en plus. Mm-hmm. Et est-ce que ça va compléter finalement le projet de réhabilitation de la voie ferrée de Valdonne dont on parlait dans le sujet à l'instant? Ça complète ça ou c'est vraiment deux projets très distincts? Le pôle d'échange d'Aubagne donc, est le premier pôle d'échange du département. Donc avec le projet de tramway et puis aussi le projet de tram-train avec la réouverture de la voie de Valdonne confortera cette position de leadership du pôle d'échange d'Aubagne et va favoriser l'intermodalité entre tous les modes de transport. Mmh. Alors souvent les projets de tramway sont des villes déjà moyennes, souvent on pense peut-être autour de 100 000 habitants. Ça paraît surprenant pour une ville de cette taille, mais même si c'est une ville dynamique, c'est possible, c'est viable, c'est... Oui, la communauté d'agglo donc pour objectif de développement donc a centré son objectif de développement sur la mobilité et les transports. Donc, et compte bien effectivement de se doter d'un moyen de transport périn et durable. Donc, durant la concertation préalable de 2009, la population qui avait déjà été concertée avait choisi en grande majorité le tramway sur tramway fer pour mode de transport en commun. Alors, un tramway qui sera gratuit, tout comme le bus à l'heure actuelle, comment vous parvenez à ça, justement, à la gratuité des transports dans son intégralité à Aubagne? Il faut rappeler effectivement que la première étape de gratuité dans les bus avait été financée par l'augmentation de la taxe versement transport lorsqu'elle était passée à 1,05%, étape qui avait été validée par le passage au-delà des 100 000 habitants du territoire d'Aubagne et du Pays de l'Étoile. Et donc avec le choix d'un tramway, le taux de versement transport est passé de 1,05% à 1,8%. Soit une rentrée d'argent supplémentaire de l'ordre de 4 millions d'euros par an, ce qui permet de financer la gratuité aussi du futur tramway. D'accord. Alors, les commerçants aubagnais ont demandé qu'une convention soit signée. Pourquoi? Ils ont peur que justement pendant les travaux, il y ait quelques désagréments au niveau de la circulation et de l'accès à leur boutique, par exemple?
Oui, c'est ce qui se pratique couramment lorsque des projets de tramway s'inscrivent dans une ville. Donc c'est effectivement d'avoir des conventions. L'objectif de toutes ces conventions est bien sûr d'anticiper et d'aider les commerçants dans cette phase de travaux à la rendre la moins pénible possible. Comment vous allez faire alors justement pour que l'accès aux magasins, aux boutiques soit facilité pendant la phase de travaux? Notamment là, courant juin, donc le 28 juin, on aura l'inauguration de l'espace Infotram au cœur du centre-ville d'Aubagne, Esplanade de Gaulle. Inauguration donc, qui démarra à partir de 18h30. On espère avoir un temps festif et de partage avec l'ensemble de la population du territoire. Donc cet espace sera évidemment le lieu de tous les usagers du futur tramway, notamment les commerçants. Et donc se tiendront régulièrement des réunions avec eux donc pour les informer des travaux, des moyens qui sont mis à disposition donc pour éviter les perturbations de ce tramway. D'accord, ça c'est la maison du tramway qui ouvre le 28 juin à Aubagne. Elle sera où en plein centre-ville? Elle sera sur l'esplanade de Gaulle, donc à côté, à 100 mètres du cours Foch, derrière le petit monde de Pagnol. Et là on pourra venir pour se renseigner, on aura des informations sur tout ce qui concerne le tramway, l'avancée des travaux. Il y aura des permanences et puis suivant les besoins. Et des réunions, comme vous le disiez à l'instant. Voilà, il y aura différents outils disponibles pour prendre l'information dont on a besoin dans cet espace. Alors au niveau du calendrier, comment ça s'organise ça, le tram à Aubagne? Quand est-ce qu'il devrait justement circuler? La première mise en service est espérée donc pour fin 2013. Ouais. Donc on devrait mettre en service le premier tronçon qui reliera le quartier du Charel à la gare. Ouais. Et ça s'enchaînera derrière avec la mise en service du deuxième tronçon qui reliera la gare d'Aubagne donc à la zone industrielle des Palus premier semestre 2016. Ça c'est pratique pour aller faire justement les courses jusqu'à la zone industrielle des Palus. Juste des gens qui y travaillent, on imagine. Oui, c'est tout à fait pratique. L'idée effectivement de ce tramway c'est de relier à la fois les quartiers d'habitation et les zones d'activité. Ouais. Bien évidemment en irriguant le pôle d'échange pour permettre aussi aux Marseillais qui viennent à la zone des Palus et aussi au nord du territoire d'être irrigués par ce projet de réhabilitation de la voie de Valdonne, le tram-train. Combien d'itinéraires en tout? Là, vous nous en avez cité deux, donc Aubagne, donc, zone des Palus et... Voilà, la première ligne donc, ira du Charel jusqu'au Palus en passant par la gare. Oui. Et la deuxième ligne, à un horizon plutôt 2019, permettra d'aller de la gare d'Aubagne vers la Penne-sur-Uvonne. Ah oui. Voilà. Donc ça correspond à combien de kilomètres ça à peu près? Il y a une... Enfin pas beaucoup, mais bon. La globalité du parcours représente entre 9 et 10 kilomètres. 9 et 10 kilomètres et 8 rames, hein, c'est ça, en tout. Pour la première ligne, il y aura 8 rames. Et pour le réseau complet, on sera autour de 15 rames. Comment réagissent les aubagnais? Ils attendent avec impatience ce tramway c'est une vraie demande de leur part? Je pense qu'à travers la période de concertation publique qui a eu lieu fin 2009, effectivement, on a vu une très forte attraction de la population aubagnaise sur ce projet de tram. Vous savez qu'à Aubagne aussi, il y a effectivement beaucoup de démocratie participative avec de nombreux ateliers autour des différents projets municipaux, dont le tramway. Et effectivement, on retrouve l'engouement de la population à travers les participations très actives des citoyens sur la co-construction de ce projet de tramway. Merci beaucoup Bertrand Robin.